Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 15 avril et je viens ouvrir mon petit quotidien numéro 16. Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne pour les personnes qui nous rejoignent parce qu'hier un live, hier ou avant-hier, non c'est hier ouais, on a eu une petite nouvelle. Coucou si tu me regardes, coucou. Voilà. Je suis bien contente quand il y a des petites nouvelles comme ça. Alors, pas que je me lasse des vieilles, mais c'est agréable de partager avec toujours plus de monde. Voilà. Le chat n'est pas limité, enfin, la chaîne n'est pas limitée à une cinquantaine de personnes. Donc, tout le monde a le droit de s'exprimer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, tout d'abord, eh bien, chaussettes là-haut, donc finir le talon. Là, il ne me reste pas grand-chose, hein. Où est l'autre? L'autre est là. Donc, si je les superpose. Voilà ce qu'il me reste à faire. Donc hop, j'ajuste bien. Donc le talon est quasi fini, hein, puisque là le talon s'arrête où il y a le violet. Donc là je suis vraiment bientôt pas à la fin. Voilà. Ensuite, bah, il y aura la tige. Je ne sais pas si je vais faire la tige entière aujourd'hui ou pas. Je me dis que peut-être je vais l'emmener chez Hélène parce qu'elle est facile à faire la tige. Du coup, ouais, allez, je me dis, je finis ma chaussette aujourd'hui, comme ça, on n'en parle plus. Et demain, je peux castonner mon nouveau design. J'ai perdu mon anneau marqueur, comme d'hab. Toujours, je perds mes anneaux marqueurs. C'est de la folie, quand même. Petit lapin, viens ici. Voilà. Donc voilà pour la chaussette. Donc j'essaie de la finir aujourd'hui. Si j'en ai pas marre, bien sûr. Parce que si je vois, là je vais la prendre déjà ce matin. D'ailleurs ce matin, je vais peut-être m'arrêter avant. Du coup, si je la reprends pendant 2 heures cet après-midi, on verra. Voilà. Mais en tout cas, j'aimerais bien la finir, qu'on n'en parle plus. Parce que là-haut, elle traîne depuis janvier. Enfin, elle traîne. Je les ai commencés en janvier, mais j'ai mis une longue pause parce qu'il fallait que j'écrive le patron et que j'étais en train de m'occuper des Nemo. Donc, en général, j'essaie d'avoir un test à la fois. Voilà. Un design à la fois. Ensuite, donc, une fois que j'aurai fait cette petite chaussette, je vais essayer de finir le chapeau de Patrick, de mon petit Leprechaun. Pour les petites nouvelles, donc Coco. Patrick, c'est un Leprechaun que je fais au crochet en suivant une vidéo YouTube. Voilà. Alors, je ne crochète pas beaucoup, mais je sais suivre des vidéos et reproduire ce qu'on nous dit de faire. Voilà. Donc, il lui manque plus que son petit chapeau et il sera terminé. Ensuite, je vais crocheter des éponges parce que ben, moi, je fais ma vaisselle et tout dans la salle de bain. J'ai des éponges crochetées. Je n'achète absolument rien dans le commerce. Je fabrique tout moi-même, hein, que ce soit éponge, lingette pour la maison, lingette pour le corps, enfin, tout est fait maison. Feuilles de sopalin entre guillemets également, essuie-tout. Donc c'est comme des grosses lingettes en fait, hein. Voilà. Pardon. Donc voilà, je fais tout maison et là, bah, mes éponges ont besoin d'être renouvelées parce que bah, les miennes, je crois que je les avais faites vers 2015.
Du coup, ça fait 8-9 ans à peu près là, et elles ont besoin de renouveau. Voilà. Ah, ben voilà mon petit anneau marqueur. Il est là. Il vient de tomber. Voilà, donc je vais essayer de finir le chapeau aujourd'hui. Comme ça, demain, j'attaque les éponges. Ensuite, au niveau filage, je vais mettre ça en cake pour pouvoir refiler du bleu. Et comme ça, demain, je ferai le retors de ces deux-là. Donc, je file pour un test de gilet. Donc, j'ai déjà filé ça. Donc là, j'ai 10 grammes. Et en fait, je vais filer. J'ai un coloris principal que je vais retordre avec chacun des coloris secondaires que j'ai. Voilà. Comme ça, il y aura un peu comme un suivi dans les couleurs. Imaginez ça, suivi de ça va être trop beau, quoi. Alors, il me faut 500 grammes à peu près, hein, donc là, je vais avoir à peu près 20 grammes. Je vais du coup filer plus, et quand je serai vers 300-400 grammes, je commencerai à tricoter, je pense. Comme ça, je vais pouvoir cassonner autre chose et pas me préoccuper du test, puisque le test est à rendre pour août. Donc, j'ai calculé hier vite fait, hein. Si je m'y mets en juillet au tricot, c'est bon. Donc, jusqu'en juillet, je peux filer. Ce qui fait avril, mai, juin, juillet. On va dire j'ai 2 mois et demi pour filer. Donc, j'ai largement le temps. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais faire? Alors, je voudrais. Plein de choses. Plein de choses, évidemment. Mais, je voudrais alors avancer dans le cachou. J'ai essayé de le prendre 2 heures aujourd'hui. Je pense que j'ai le temps. Si je le prends en rentrant de chez Hélène, donc 17-19 à peu près, ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire large. Donc voilà, le cachou. Donc c'est le gilet que je fais en sample pour Laura, donc de la teinturière de Woolbags. Et donc voilà le cachou et ce très beau gilet avec ses pans de dentelle, de torsade sur les demi-devants du gilet. Donc moi je ne peux pas l'essayer parce que je le fais dans une taille 136 et que pour moi je fais la taille 80. Donc 50 cm de... Quoique je peux l'essayer quand même. Hein. En plus, hop. Du coup, j'ai même pas besoin de... J'ai même pas peur de perdre les mailles puisque là... Hop. Alors attendez, par contre, le câble, il passe là. Ça, faut pas que je casse le câble. Oula. Hop, voilà. Oh, il est trop beau quoi. Alors moi j'ai très envie de me le faire en pull. En pull, donc ça veut dire que bah, je suivrai le même début, sauf que arrivé là, et bah, je rejoindrai en rond. Et ensuite je ferai un col. Je le vois trop bien en pull. Le patron n'existe pas en pull, hein. Je vous le dis tout de suite. Moi je sais adapter, donc j'adapterai. Il est trop beau quoi. Bon, là je suis pas au bout, hein. Il y a le câble. D'ailleurs, je me prends le câble descend plus, mais alors moi pour moi au niveau hauteur il serait bien là. Il m'arrive à la ceinture. Voilà. Mais il me manque. Donc là je suis sur l'avant-dernier motif. Comme vous le voyez, il y a On fait des lignes de torsade comme ça, horizontales. Et donc, il m'en manque deux. Il me manque ça, en fait. Voilà, je suis sur l'avant-dernière. Il me manque ça pour le corps. Et ensuite, je passe aux côtes. Enfin, d'abord, je demande à Laura.
26-25 cm, ça lui va. La dernière fois que j'ai fait un sample pour elle, elle m'a dit tu suis le patron, donc je pense que là ce sera pareil. Mais au cas où, parce que 25 cm ça me paraît petit quand même. Au cas où, je lui poserai la question. Voilà. Ensuite, donc je compte avancer dessus. Là, j'ai fait donc. Je suis sur la première ligne. Non, je suis sur l'envers. Donc, je suis sur la deuxième ligne du diagramme. J'aimerais bien finir le diagramme aujourd'hui. Comme ça, il ne me resterait plus qu'un motif à faire. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Voilà, vous voyez, j'ai recommencé un motif là. Et j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Je pense qu'en 2 heures, c'est faisable, hein. Ça fait 8 rangs. 8 rangs, c'est faisable. Ouais, en 2 heures. Puisque j'en fais à peu près 3 en 1 heure. On va voir. On va voir. Voilà. Ensuite, j'aimerais finir. Ouais, carrément. Finir mon pull. Je suis un peu emmêlée là dans les fils. Hop, voilà, j'aimerais donc finir mon pull. Il me reste 4 rayures jaunes à faire sur la manche. Là, je suis dans la dixième. Donc, la dixième est là. Donc, 11, 12, 13, 14. Non, faux. La dixième est là. 11, 12, 13, 14. Voilà. Donc voilà ce qu'il me reste à faire. J'essaie de le finir aujourd'hui. Ensuite, je veux finir. Bon, ça se sera fait large. L'objectif, je sais que je peux l'atteindre. Je vais faire le rabat donc de la chaussette que j'ai testé donc pour Lily à l'infini. Les chaussettes Infinity Ear Socks. Voilà, avec ces très beaux jacquards de petits cœurs et du signe de l'infini. Alors, Lily ne donne pas d'indication quant aux couleurs. Normalement, elle prévoit une couleur pour le signe de l'infini et une couleur pour les cœurs. Moi, j'ai joué avec les couleurs. Les côtes, c'est pareil, elle ne dit pas. Donc, moi, j'ai joué aussi avec les couleurs. Et je me suis éclatée. Voilà. Et tellement éclatée que je teste deux tailles. Donc, celle-ci, c'est pour Seb. Et moi, je vais me tester la... Donc, là, en 60 mailles. Et moi, je me testerai la paire en 50 mailles. Le talon, c'est pareil. Je me suis éclatée aussi. J'ai fait un talon bicolore. Celui-là, il vous a plu. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Jouer avec les couleurs, je trouve ça... C'est trop bien. La couleur, c'est génial. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pour les lignes de cœur, si vous avez des petits restes, par exemple, j'ai ce petit reste-là, je pourrais faire une ligne de cœur facile avec un petit reste comme ça. Quand on a d'autres petits restes, pareil, il faut pas grand-chose par cœur, hein. Par ligne de cœur. Donc, on peut même s'amuser à faire un cœur de chaque couleur, mais là, attention, ça fait jacquard à plein de couleurs sur la même ligne. Donc là, moi, ce que j'ai fait pour éviter ça, j'ai fait des lignes entières. Ça, on peut faire aussi. Séparer les cœurs. Voilà. Bon. Comme ça. Donc, j'ai fait 2, 2 et 2, je crois. Ou 3, 3, je sais plus. 3, 3 et 2, j'ai fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, objectif, donc rabattre cette chaussette. Et je ne vais pas commencer la deuxième tout de suite, mais je vais castonner une paire pour Marie-Christine Lévesque, donc les petits beurres, dans cette laine-là.
dans cette laine et alors je sais plus s'il faut un contraste ou pas. Oh là là, voilà pourquoi je mets jamais de bijoux. J'arrête pas de me prendre dedans tout le temps. Je ne sais pas s'il faut un contrastant, mais si il en faut un, il est où mon autre contrastant? Ah, c'est pas là. Bah, je ne sais pas. Bon, bref, je verrai. Je ne sais pas s'il me faut un contrastant ou pas. Hop, donc je vais prendre en coloris principal cette couleur, ce cake. Donc ce sera un cadeau pour Laetitia. D'ailleurs, le contrastant est peut-être là. Non, là c'est juste mes chaussettes, la belle et le clochard. Que je dois finir. J'en ai une, deux, trois à finir. Mais ça, je les ferai bientôt. Bientôt, je vais les reprendre. Mais pas tout de suite. J'ai d'autres choses à finir de plus urgent que des chaussettes en déca pour l'instant. Donc voilà, Cassane aujourd'hui. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je crois qu'elle se commence par les côtes. Donc je vais essayer de faire au moins les côtes aujourd'hui. Voilà. Donc demain, vous verrez un nouvel encours. Voilà, et bien sûr que c'est moi, je vais vous laisser. Ah non, ben non. Ah oui, alors chez Hélène, du coup, je prends pas mes guêtres. Oh mince. Faut que j'essaie de finir ma chaussette avant de partir. Parce que j'aimerais trop prendre mes guêtres pour les avancer. Donc là, je pense que je suis en plus dans le bleu maintenant. On a encore un petit peu. Attendez. Hop, ouais, il me faut encore un petit peu de jaune avant d'arriver dans le bleu. Donc voilà, guêtre que je tricote sans patron. Un peu au pif, hein, comme ça vient. Voilà. Voilà. Parce que je manque de guêtre. Et après, je pense que je remettrai des guêtres réponses en route aussi. Mais vraiment le patron réponse, voilà le patron des guêtres pour alimenter un peu mon Ravelry et avoir plusieurs modèles, on va dire, dans différentes laines. Voilà, différentes laines, différents coloris, etc. Voilà, et bien sûr, je vous laisse. Donc, les guêtres, ben, je sais pas si je vais les prendre, on verra. Tout dépendra comment je vais avancer sur ma chaussette ce matin. Il est déjà quasi 10 h, donc je pense qu'elles vont pas beaucoup avancer ce matin. Je pense que je les aurais pas finies avant de partir. On verra. Voili voilou. Bon, fou. Allez, ça me fait beaucoup de choses à faire, donc j'y vais. Je perds pas de temps. Salut. À tout de suite pour vous, hein. Vous restez là.
Je ne suis plus aussi fringant qu'à 80 ans. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 16 avril et je viens clôturer mon petit quotidien numéro 16. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Tout d'abord, donc ma chaussette là-haut n'est pas terminée. Pourtant, je l'ai prise chez Hélène, comme vous pouvez le voir. Hein. Mais le matin, en fait, j'ai... Oups, en plus, je perds toutes mes mailles, évidemment. J'avais pas de... Ah bah non, elles sont restées là. Ah oui, c'est vrai que je les prends pas pour aller chez Hélène. Hop. Parce qu'après, elles sont dans mon sac. C'est trop petit? Non, c'est bon, c'est les deux, ça. Et après, bah, elles sont dans mon sac, quoi. Enfin, voilà, ils les retrouvent pas. Donc, j'en suis là. Bon, j'ai quand même pas mal avancé. Hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 11. Oui, parce qu'hier matin, du coup, j'ai, au lieu de tricoter, j'ai modifié mon patron. Je l'ai revu parce que ma façon d'écrire, apparemment, alors elle n'est pas fausse, mais elle n'était pas explicite pour tout le monde. Enfin, quand je dis pour tout le monde, c'est pour une des testeuses, au moins. Et du coup, bah, ça m'a suffi pour essayer de modifier le truc. Donc, j'en suis là. Voilà ce qui me reste. Hein. Donc, elle est quasi finie. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'elle est terminée. Mais bon, bah, quasi, c'est pas fini. Hein. Il va falloir que je m'y remette encore dessus. Mais bon, si j'avais eu mes 2 heures du matin aujourd'hui, hier, elle serait finie. Voilà ce qui me reste, donc il est vraiment temps que je les finisse, hein, quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai assez. Je vois qu'il me reste au moins 5 rayures dedans, puisque j'ai une bleue, une violette, une rose, une jaune, et à l'intérieur, j'ai encore une bleue. Et puis bon, ben, je dois en avoir encore à l'intérieur d'autres couleurs. Enfin, pas d'autres couleurs, mais d'autres rayures. Voilà. Parce que les couleurs sont toujours les mêmes. Pardon. Donc hier, j'ai quand même bien tricoté, hein, parce que j'en étais... Je crois que j'en étais encore dans les augmentations hier, en fait. Donc j'ai fait tout ça quand même. J'étais dans le jaune hier. Donc j'ai fini mes augmentations. J'ai fait le talonné. Voilà, le renfort. Et les diminutions, donc, du gousset par la même occasion. Voilà. Et ensuite, bah, chez Hélène, j'ai fait ce qui était tout droit. Voilà. Bon, il y a le motif, mais le motif, enfin, ça va. Un rang sur deux glissé de maille, je gère. Même en discutant. C'est très joli ce motif. J'aime beaucoup les mailles glissées. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, bah voilà. Hein, plus qu'à la finir, celle-ci. Et après, place à un nouveau design. Donc, je vous fais un petit récap tout de suite. Non, je vous le ferai demain quand la chaussette sera finie. Allez. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai castonné, mais vraiment castonné, hein. J'ai pas fait beaucoup plus, les chaussettes petit beurre de Marie-Christine Lévesque. Donc voilà, alors
Hier, je vous ai dit, je vais faire les côtes. Mais pas du tout. Il y a 7 cm. 7 cm? Je ne sais plus. Oui, je crois qu'il y a 7 cm de côte à faire et ensuite on a un motif à faire encore pendant 7 cm. Donc on a 14 cm en tout de tige avant le talon. Donc je suis pas arrivée. Voilà, donc c'est ce fameux très beau point que j'ai déjà fait donc pour Audrey Borrego dans ses chaussettes d'Orna. Donc c'est les espèces de côtes de deux là que qu'on travaille à toutes les sauces. Voilà. Voilà le résultat. Donc j'ai pas fait grand-chose, mais au moins j'ai appréhendé le patron. C'est important. Parce que souvent quand on lit une première fois le patron, les idées ne sont pas très claires. Et du coup, on se trompe, on doit recommencer. Bon, là, ça m'est pas arrivé. Le point, je le connais, donc ça va. Voilà, voilou. En fait, je crois qu'elles seront sur le même style que celle-ci. Sauf que bah, là, les côtes, c'est les côtes de 2, comme je vous ai dit. Et après, on refait encore des côtes 3-1. Donc, je pense qu'elle va sortir une collection comme ça de chaussettes toutes simples en côtes. Sauf que là, il n'y a pas de comment dire, de côtes retroussées, j'allais dire, mais c'est pas très beau. Replié, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Filage. J'ai pas crocheté hier, j'ai pas le temps. J'ai pas pris le temps. Parce que j'étais bien dans mon cachou et j'ai pas pris le temps de m'arrêter pour. Et dans mon filage aussi. Parce que du coup, j'ai mis ça en cake. Vous l'avez vu hier. Hein, je vous mets tout, les petites vidéos. Donc, je vous ai mis ça en cake. Je vous montre pas le bout parce qu'il est. Voilà, il est tout jaune. Donc, ça sert à rien. Et donc, bah, comme je vous ai montré hier, il y a des endroits Mikado. J'adore. J'adore. Voilà, là vous en voyez. Là aussi, oh, celui-là il est beau, celui-là j'adore. Et il y a plein d'endroits comme ça, là aussi. Hop, pareil. Ça c'est quand j'ai un morceau, là par exemple, j'ai un morceau de bleu dans le jaune. Donc si je continue à filer ce morceau, ça fera effet Mikado, mais tout petit là, parce qu'il y a un tout petit peu de bleu. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, celui-là, il est beau aussi. J'aime trop le mélange de couleurs. Voilà, donc j'ai libéré mon fuseau en mettant en cake et j'ai recommencer du bleu. Bon, là, il n'y a pas de Mikado, hein. Bleu, c'est bleu. Hein. alors, j'ai pas fini tout ce que j'avais préparé. Moi, ça. Donc, je vais finir aujourd'hui, je pense. Et je ferai le retors demain. Le retors des deux là. Ça va être beau. Ça va être trop beau. Et après, bah, je repartirai sur une troisième couleur avec du bleu. Je sais pas encore laquelle, on verra. On verra pour la troisième. Mais ça va faire beau, hein, je pense, si je fais tout un dégradé comme ça, des rayures. J'aime beaucoup l'idée de d'avoir le bleu en rappel à chaque fois, en coloris de base, on va dire, de fond. Et après, venir ajouter une autre couleur au bleu. C'est formidable ce qu'on peut faire avec le filage. Franchement, j'adore. J'adore. Donc voilà, j'ai continué le bleu tout à l'heure. Et j'ai des fourmis dans la main aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai fait. Faut que je boive. Je crois que je n'ai peut-être pas assez bu encore. D'ailleurs, j'ai mon deuxième café qui m'attend. Il est 8h20. Bon café à vous. Si vous êtes au café aussi.
Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah bah oui, vous avez vu ça ou pas? J'ai terminé ma chaussette. Est-ce que vous l'avez vu? Non, il me restait le rabat à faire. C'est ça, hein? Il me restait juste le rabat, je sais plus. Ouais, c'est ça, il me restait le rabat. Donc j'ai fait mon petit rabat. Donc j'ai une paire de chaussettes. Il me reste encore les fils à rentrer ici. Je rentre pas tout de suite parce que... Alors j'ai rentré celle-ci. Mais quand Chéri l'a essayé, il m'a dit, oh les fils, ça gêne à l'intérieur. Voilà, les petits fils, ça le gêne. Donc je pense que je vais recommencer. On va voir au porté s'il s'habitue ou pas. Mais sinon, je recommencerai le jacquard en tissant comme je fais d'habitude. Parce que là, Lily préconise, elle croise toutes les 5 mailles. Donc pour le test, bah, j'ai fait pareil. Mais ça gêne monsieur. Donc je pense que je vais lui laisser les fils comme ça cachés dedans. J'ai juste rentré celui-là parce que sinon sa fille va lui courir après tout le temps. Et s'il faut, bah, je lui referai les tiges. Les deux. Puisque bah, les deux, j'ai fait pareil. Hein. Voilà. Voilà. Donc, soit croiser toutes les 2-3 mailles, mais 5, c'est trop. Pour des pieds, c'est trop. Voilà. moi, je le sais. Hein. Pour moi, je sais que c'est trop. Donc, je comprends très bien. Mais bon, j'ai voulu faire comme le patron, le test. Donc, les Infinity Earth Socks qui sortent le 11 mai. Donc, dans presque un mois. Dans un peu moins d'un mois. Voilà. Donc, pour rappel, on est venu. Je vais vous montrer celle où les fils sont rentrés, c'est mieux. Donc, on fait une pointe. Ensuite, on fait quelques rangs de jersey. On fait ce petit jacquard. Ensuite, on vient faire le pied. On fait un talon à rang raccourci que j'ai fait bicolore. Ensuite, on refait quelques mailles de jersey. On fait une première ligne de cœur. Quelques mailles de jersey. Une deuxième ligne de cœur. En quinconce, hein, ils sont au milieu. Quelques lignes de jersey et on revient faire la même ligne de cœur qu'au départ. Donc moi j'ai joué avec les couleurs. Voilà, normalement ils sont tout rouges, entièrement rouges. Voilà, les trois lignes sont rouges, mais bah moi j'ai voulu changer. Puis j'avais assez en termes de laine, donc voilà. Et ensuite on refait donc quelques mailles rang de jersey avant de changer pour les côtes. J'ai refait une ligne de jersey dans le jaune. Et ensuite, j'ai fait donc trois rangs de côtes jaunes. Enfin, deux, puisque j'avais déjà fait un rang sans côte. Donc, j'ai fait deux rangs de côtes jaunes, trois de rouge, trois de bleu. Voilà. Et en fait, je viens faire un rang de jersey en changeant de couleur. Pour qu'on ne voit pas les petites boules des mailles en vert sur la première ligne. Parce que si on change au moment de commencer les côtes, on voit les petites mailles en vert des côtes qui ressortent. Voilà. Donc pour les chaussettes Infinity Earth Socks. Et donc le motif est aussi sur le dos du pied. Voilà. Qu'avais-je à dire? Ben, je crois pas grand-chose de plus, hein. Je vous ai déjà tout dit donc dessus. Voilà. Voilà. Donc pour les Infinity Earth Socks, donc il me reste une paire à tester pour moi. Donc là, c'est 60 mailles. Que j'ai tricoté en deux. Et voilà.
Il me reste donc ma paire en 50 mailles à faire, mais vu que c'est pour le 11, j'ai le temps, c'est pour ça que j'ai commencé celle-ci avant, puisque c'est aussi un test. Ensuite, donc ça, je vais rentrer ce fil-là, et chérie pourra les porter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc le cachou. Alors le cachou, il a bien avancé parce que je l'ai pris un peu plus longtemps hier. Donc voilà ce que j'ai fait sur le cachou hier. J'ai terminé, non pas tout à fait. J'ai pas terminé le diagramme, mais presque, presque, presque. Il manque deux lignes. Voilà, donc je le commençais à peine hier, hein, et là, ben, comme vous le voyez, il est quasi fini. Il me reste juste la première ligne à refaire pour refermer la torsade. Voilà, il manque celle-ci, cette petite torsade-là. Donc j'ai bien avancé hier, j'ai fait quasi un motif entier. C'est bien. C'est bien. Ça veut dire qu'il me manque juste un motif. Donc potentiellement en une journée, je suis capable de le faire. Je le sais. Bon, après, je vais pas le faire parce que ça voudrait dire que je ne passe pas de temps sur autre chose en attendant, quoi. Parce que là, j'ai pas touché à mon pull brioche, j'ai pas tiré au sort, j'ai pas. Enfin voilà, quoi. Il y a plein de trucs auxquels j'ai pas touché et que j'aimerais toucher. Voilà. Le but, c'est pas d'exclure des designs pour des autres. Hein. Le but, c'est de tout tricoter un peu tous les jours. Voilà. C'est trop beau, j'adore. Et en termes de hauteur, on commence vraiment à être bien là. Hein. Puisqu'il ne me manque plus qu'un motif. Je ne sais pas ce que vous voyez là. Ouais, vous le voyez en entier. Hop, donc comme ça, parce que le dos est là. Donc, on est bien, on est bien. Celui-là, il est bientôt fini là maintenant. Parce qu'après, une fois que le corps sera fini, les manches, ça va aller relativement vite. C'est que du jersey. Hein. Donc, potentiellement, lui, dans une semaine, il est fini. Ce qui fait 16-23. On sera parfait, c'est pour fin avril. Voilà. Ensuite, eh bien. Ai-je terminé mon pull aux revanches? Regardez, j'en suis aux côtes. C'est ridicule. Il me manque, je sais pas, deux rangs. Deux tours de côte, il me manque. Oh, même pas, regardez. Attendez, je vous pousse le fil jaune là. Il nous embête ce fil jaune. Hein? Va te cacher à l'intérieur. Toi, on n'a plus besoin de toi. Là, 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 là. Oh, mais je peux même rabattre au prochain, je crois. Ah, oh, ouais, je peux rabattre au prochain tour. Eh ben, il me reste le rabat en fait. Eh ben, il est fini du coup. Il est fini puisqu'il me reste juste le rabat. Et le rabat, ça compte pas, on a déjà dit. Hein? Puisque je rabats toujours le matin en fait. Parce que je fais un rabat non, à l'italienne. Du coup, regardez, en plus il me reste quoi? 5 mailles pour finir mon tour. Hop, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Je peux enlever mon nanomarqueur de début de tour. Et il me reste à rabattre. Voilà, ça y est, c'est fini. Youhou! Un pull de moins sur mes aiguilles. Alors, on va couper ça pour le rabat. Ce sera plus facile pour vous montrer après. Alors oui, je prends au pif, hein. Mais bon, je laisse toujours trop. Donc voilà ce qui me reste. Ah oui, je voulais peser ce qui me restait pour les. On va faire ça juste après. Donc voilà ce qui me reste pour les chaussettes de Lily. Alors, ma petite balance. Hier, j'ai fait un. Non, hier, oui, hier, j'ai fait un gâteau au yaourt aux pommes. On l'a pas encore goûté, ce sera pour le goûter. Il me reste 50 grammes. 50 grammes de ça. Donc, je sais pas. On verra. Je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant.
Alors, je vais hop, sécuriser mes mailles, pas les perdre quand même, ce serait dommage aussi près de la fin. Et donc, voilà mon pull, il est terminé. Oh, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Alors, hier, Zaya, dans les commentaires, m'a dit, tu regarderas la cinquième rayure de ta deuxième manche n'est pas pareil. Donc, tout de suite, je suis allée voir, hein, parce que je me suis fait, elle m'a fait peur, cette coquine. Et en fait, non, hein, je les aligne, elles sont toutes pareilles. Voilà. Non, hein, c'est les, ça me paraît. Bon, après, ça bouge. Hein. Ça bouge. Hein. Bon, je sais pas. Voilà. C'est pareil. Mais bon, c'est vrai que ça bouge tout le temps. Et du coup, il se peut que à un moment, je voulais montrer comme ça, comme ça, ou comme ça. Voilà. Voilà. Mais non, mes rayures sont pareilles. Et puis, bon, s'il y avait eu un tour de plus. Sur une manche, sur une rayure, c'est pas grave. Je vais pas avoir les deux bras comme ça, donc c'est pas très grave. Voilà. Et puis, ben, même au niveau du corps, hein, j'ai l'impression que ça tombe vraiment bien. Ouais, ça tombe bien. J'ai vraiment fait 6 rayures à chaque fois de jaune. Bon, deux couleurs, c'est facile à... Mais c'est vrai que des fois, bon, genre calculer pour les... Au début, je prenais un nanomarqueur, puis à force, il s'est cassé parce que le fil n'arrête pas de se prendre dans les petits crochets et tout. C'est casse-pied. Donc voilà, à force, je me suis dit, j'enlève le contrant et je compte par moi-même. Alors, c'est vrai que normalement, c'était un projet zéro cerveau. Et le fait de compter, je suis obligée d'être un peu concentrée. Alors bon, des fois, j'en faisais 3, 4 sans compter. Puis après, bah, je recomptais tout. Alors dans l'ordre, c'est pas évident non plus. Bon, voilà. Il faut pas compter quand on est dans le noir et que c'est un patron zéro cerveau. Voilà. Hop. Clac. Un fil de moins. Donc lui, il va avoir besoin d'un blocage déjà au niveau du col. Le col se met mal pour l'instant. Mais au blocage, il sera comme ça. Voilà. J'ai déjà rentré le fil là. Mais ouais. Waouh. Je m'en souviens même plus. Donc il me reste le fil du corps à rentrer et à bas suite de la manche forcément. À l'intérieur, coucou, j'ai des petits fils à rentrer aussi. parce que, ben, pour rappel, hein, je l'ai tricoté avec donc le zitron de Eve EV3. Donc, c'est son Merino non super wash. 100% super fine Merino. Donc, Merino super fin. Donc, non super wash coloris citron. Pour rappel, au départ, donc c'est de la fingering que j'ai doublé pour faire le pull ni sweater. Il en reste encore. Il en reste. J'ai pas tout détricoté encore. Pour faire donc le ni sweater en test pour Béatrice Maz. Mais j'avais choisi une trop grande taille et il m'allait pas. Du coup, j'ai tout détricoté. Et comme j'étais en déca là-dessus, je tenais le fil en double. Du coup, ça m'a fait deux fils. J'ai dû tout dédoubler après avoir détricoté. Et donc, ça m'a fait ce pull plus le tweedy sweater bah, que vous avez vu il n'y a pas très longtemps, que j'ai fini aussi pour ma l'oreille. Donc, ça m'a fait deux nouveaux pulls. Avec même pas un entier, parce que j'en ai encore, je sais pas combien je vais récupérer encore, on verra bien, je vais continuer à le détricoter, hein.
Je vais pas m'arrêter là parce que bah, j'ai pas envie de perdre de fil, tout simplement. Peut-être que ça ira dans un châle. Tiens, Sylvie et Christine, ce sera peut-être un coloris pour mon Lunae. J'adore ce coloris. Et si j'ai assez, eh bien, ce sera un coloris pour mon Lunae. Voilà. Au pire, je redemanderai 20 grammes à Ève. Donc voilà. Où est le bout? Est-ce que j'ai trouvé le bout? Je ne trouve pas le bout. Ah, le voilà. Forcément, il est à la fin du tour. Donc voilà, j'ai plus qu'à continuer à tout détricoter. Lui, alors peut-être qu'avant de le dédoubler, je vais le laver. Parce que quand je dédouble et que ça n'a pas été lavé, j'ai le fil qui tourne en fait sur lui-même et ça me fait perdre un temps fou. Mais là, bah, j'en avais besoin pour tricoter, donc voilà. Mais là, maintenant que j'en ai plus besoin forcément tout de suite, je vais détricoter donc ce qui me reste à détricoter là. Et je vais le mettre en écheveau et le faire tremper pour que quand je le dédouble, bah, il ne s'enroule pas sur lui-même. Voilà. Bon, bah, je suis bien contente, un pull de terminé. Bon, il me reste le rabat, mais je ne le compte pas. Je vais le faire juste après vous avoir quitté. Ce qui veut dire que ce soir, qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai pas encore pensé. Je n'y ai pas encore pensé, figurez-vous. Les chaussettes. Peut-être que je peux terminer mes chaussettes ce soir, du coup. Et comme ça, ce matin, je peux castonner mon nouveau. Ah, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que je fais ça? Non, je ne vais pas faire ça. Vous savez ce que je vais faire? Bah, vous le saurez demain. Vous le saurez demain, puisque là, on est dans le récap d'hier. Donc, hier, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je suis méchante avec vous. Ouais, je sais, je sais. Parlons de ce que je porte, parce que mes petites robes vous plaisent. Je porte donc la robe et la nid. Alors, robe et la nid, mais c'est quoi ce patron Sandrine? Il n'existe pas sur Ravelry. Et oui, parce qu'encore une fois, j'ai pris un pull et je l'ai allongé. C'est ma folie, allonger les pulls. Quand j'ai trop de laine, enfin trop, j'ai jamais trop de laine, mais on va dire quand j'ai assez de laine, je prolonge les pulls en robe. Alors, bon, j'ai arrêté de. En plus, je commence à avoir mal au bras, là, ça y est. C'est horrible. 5 minutes, même pas de détricotage et j'ai des fourmis dans la main. Je sais pas ce que j'ai. Bon. Donc, je porte ma robe et la nid. Alors, que j'ai tricoté. Donc, ce bleu-là, c'est moi qui l'ai teint. J'éteins les écheveaux roumains que j'ai par mon petit éleveur roumain donc. Là, ça c'est les premiers qu'il m'avait envoyé parce qu'en fait il m'en a envoyé 2 fois là déjà. Donc les premiers j'ai fait lui, j'ai fait le bleu, j'ai fait la teinture à l'oignon dessus et le vert que vous voyez souvent le pull Maple Flower. D'Audrey Borrego aussi. Donc j'avais 5 écheveaux, je crois. Je sais plus. Bref, à peu près. Donc ça, c'est du bleu que j'ai teint moi-même. Donc j'adore. Je l'ai nuancé. Hein, alors comment je l'ai nuancé? Ben, tout simplement en mettant plus de teinture à certains endroits. Voilà, et je suis trop contente parce que ça me fait comme des rayures. Voilà, un autorayant sans être autorayant. Et les coloris, c'est une box filage que j'avais acheté à Déborah des petites potions. Alors, c'était en quelle année? 2021, je crois. Ouais, c'est possible. Printemps 2021, il me semble. Elle avait fait une box de 6, 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque une, ouais, j'ai pas tout mis exact. Donc, elle avait fait une box de 6 6 quoi 6 fibres, 6
Ah oh mince, 6 morceaux de fibres, 6 nappes, voilà, 6 nappes de fibres. Et bah, je les ai filées et j'ai mis chaque coloris donc dans. Je les ai tenus par deux. Là, vous voyez, il y a du rose et du jaune. Là, il y a du jaune et du orange. Là, il y a du vert et du violet. Voilà, donc je les ai tenus par deux et donc voilà ma robe. Donc elle, donc normalement le pull et la nide de Audrey Borrego, donc bah c'est un pull qui s'arrête à la taille et moi bah, je l'ai continué parce qu'en plus quand je fais une robe par rapport à un pull vu que je suis petite j'ai pas beaucoup à continuer en fait j'ai peut-être je sais pas 20 cm. Donc 20 cm une fois qu'on a fait un pull c'est plus rien. Hein. Voilà, surtout que c'est du jersey en droit. Puis je voulais voir dérouler toutes mes couleurs. Voilà, je voulais utiliser en fait mon calendrier, enfin ma box entièrement. Donc dans le pull j'aurais eu trop. Et du coup bah, je me suis dit je vais en faire une robe. Et j'ai ce très beau vert aussi fluo là. Mais du coup, c'est pas 6 que j'en avais, c'est 12 alors? Et oui, c'est 12 puisqu'elles sont tenues par deux. Je suis bête. C'est 12. 12, 12, 12 que j'avais. Voilà. Puisqu'il y a le vert. 2, 4, 6, 8, 10. Bref, je sais plus trop comment j'ai fait, mais bon, voilà. C'est un mélange de filage main et de teinture main. Voilà. Donc c'est une robe 100% faite main. 100% à la fois le filage, à la fois la teinture et le tricot. Voilà. Ensuite, bah ensuite c'est tout ce que j'ai fait hier. Hein. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Ah non, je voulais peser ce qui me restait comme laine. Donc, pour rappel, j'avais pris de laine de ma petite laine boutique. Donc on voit que j'ai utilisé plus de bleu, normal. Et ça c'est du Squirrel Yarns. Donc sur mes 100 grammes de bleu, il me reste 52 grammes. Je vais le noter comme ça pour ma fiche Ravelry. Ce sera déjà noté. Hop, mon stylo. Alors, chaussettes Infinity. Donc, reste. Non, je vais dire ce que j'ai utilisé. Utilisé. Donc, en bleu. Donc, 48 grammes. En rouge. En rouge, c'est pas possible, il me reste 98 grammes. J'ai utilisé que 2 grammes. Quoique, on n'en utilise pas beaucoup, hein, en vrai. Ou j'avais plus. Je sais plus combien j'avais au départ, pourtant je crois que je les ai pesés. Mais je sais plus combien j'avais. J'ai noté ou pas? Je crois pas. Mince, mince et mince. Ça, c'est quoi ça? 14, 12, 160. Ça, c'est mes calculs. mes calculs savants pour les chaussettes. Parce que là, vous voyez les tailles 56, 60, 64. C'est mes calculs savants pour les chaussettes. ça, c'est quoi? Je note tout moi sur sur les bandelettes de laine. Rien ne se perd avec moi. Ça me fait mes petits brouillons, mais après, bah, faut que je les retrouve, quoi. Là, non. Ça, c'est ça, c'est le début de mon newspaper. Donc, quand je calculais les raglans. Et là, j'ai pour la trousse de Jen, je ne sais pas si vous allez voir. C'est les morceaux de tissu dont on avait besoin. Voilà.
Donc, c'est pas ça non plus. Bon, là, c'est pas ouvert, donc il y a encore rien. Là, pareil, c'est pas ouvert, donc il y a encore rien. Bon, bah, j'ai pas dû noter. Ah, là, j'ai rien noté encore non plus. Bon, bah, j'ai pas noté ce que j'avais au départ. Comment se fait donc? Je crois que j'avais 106 grammes, il me semble, hein, au départ de la rouge. Donc, on va dire que j'ai utilisé 8 grammes, ce qui me paraît un peu plus plausible que 2 grammes. Et la jaune, il me reste 17,9 grammes, donc sur 25, puisque ça, il y avait 25 grammes. Donc, ça fait 18. Ça fait 7 grammes. Oui, bah à peu près pareil, voilà. Ce qui est logique puisque j'ai utilisé pareil pour les cœurs, là à peu près aussi, et il n'y a que pour là que j'ai utilisé un peu plus de jaune. Donc voilà, 8 grammes. Bon, bah ce qui fait en tout 8 x 3, 24, 64 grammes en tout pour la paire de chaussettes. Voilà, donc je vais pouvoir, alors pas ranger mes petites laines, parce que moi je vais pouvoir me faire exactement les mêmes du coup. Ça c'est trop cool. Je vais faire les mêmes couleurs aux mêmes endroits. Donc ça je les remets dedans. Ah mais j'avais peut-être noté sur le... C'est coloris paprika le rouge. 70% mérino, 20% soie et 10% cachemire. Elle a été teinte le 11 mars 2019. Ça date, hein, 5 ans. 5 ans, dis donc. Belle maille Cindy. Mais c'était pas pour moi parce que je l'ai eu en destache. Bon, je sais pas si je vais réussir à... Ah si, par là. Hop. Elle avait écrit à l'intérieur Belle Maille et avait signé Cindy. Je sais pas trop si toutes les teinturières indépendantes signent comme ça leur... J'aime bien. J'aime bien les petits mots à l'attention des acheteuses, des tricoteuses. Ça, c'est... Bah, c'est la... La tourbillon Soul Fingering de Squirrel Yarns, donc c'est la jaune, mais du coup, j'ai pas, non, j'avais pas noté les grammages, les quantités que j'avais. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça, ben, est-ce que je garde dans ma trousse? Ouais, je vais garder dans ma trousse. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse, hein. Je vous ai tout montré ce que j'avais fait hier. Et bah, on se retrouve demain pour vous en vidéo et tout à l'heure comment? En live si vous êtes présent ou présente ou pas. Voilà, ou pas. Allez, bonne journée!